Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, franchement, ça ne va pas du tout. En fait, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe actuellement en Chine et plus précisément à Guangzhou. Et je tiens à vous préciser que Guangzhou est une ville et non une province. Alors, j'ai fait 7 ans en Chine. Je suis actuellement à Guangzhou, qui est la ville commerciale d'où une très grande population africaine, enfin la plus grande population africaine en Chine réside à Guangzhou en fait. Bon, j'y ai fait ma licence, j'y ai fait mon master, j'ai fait 7 ans en Chine en fait, à Guangzhou. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous que le COVID-19 a commencé à Wuhan, s'est répandu dans toute la Chine et après est allé dans le reste du monde. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'en Chine, on dit que la plupart des cas, les gens qui sont infectés sont les étrangers. Mais en disant étrangers, en fait, il faut que je précise qu'actuellement, il n'y a pas d'entrée, c'est-à-dire, il n'y a pas les Africains qui viennent en Chine, en fait. Parce que déjà, le business, il n'y a plus de business, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc, la plupart des entrées de la Chine sont plus les Chinois de l'étranger, en fait, qui sont rentrés en Chine, je tiens à le préciser. Mais il y a de cela quelques jours, on a dit qu'on a recensé 300 000 cas d'Africains qui ont été infectés, tout en sachant que Guangzhou est une ville et non une province. Et après, ils ont détourné, enfin, CCTV a nié les faits en disant que c'était faux, qu'il n'y avait pas 300 000 cas. Après, on a dit, il y a eu une vidéo qui était sur la toile. Alors la vidéo montrait une Chinoise qui avait les blessures sur sa face et sur son cou. Et les reporters disaient que en fait cette Chinoise a été agressée par un Nigérian qui a été infecté et qu'on devait le prendre en charge, mais il a refusé et il s'est enfui. Cette information a été un peu douteuse vu que on sait tous que la Chine fait partie des pays les plus sécurisés du monde. Il y a les vidéos, les caméras de surveillance partout. Donc dire qu'un Chinois a tapé enfin, excusez-moi, un Nigérian a tapé une Chinoise et il n'y a pas eu de vidéo qui montrait clairement ça. Ça restait à revoir et il y a la sécurité. Donc, le Nigérian ne pouvait pas partir comme ça tout en ne sachant pas où il était allé en fait. Et après, ils ont renversé la situation en disant qu'en fait, il y a eu 5 Nigérians qui étaient allés dans un resto chinois et qui étaient positifs au COVID-19, mais qu'on ne sait pas là où ces Nigérians sont allés. Et c'est pour ça qu'on met toute la communauté africaine dans le même bateau. Mais je tiens aussi à préciser ici que à chaque recoin, même dans l'immeuble où je suis, quand tu rentres partout dans le métro, dans les hôpitaux, partout, dans les hôtels, enfin partout, on check la température. Donc, dire que celui-là, ces Nigériens ont été infectés alors qu'on n'a même pas fait leur température pour savoir et on n'a même pas pris leur enregistrement, alors qu'il y a les vidéos partout. Et ils disent que non, qu'on ne sait pas là où ces Nigériens sont allés. Cette information aussi. Et ça reste à revoir quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi actuellement, aujourd'hui, ça fait le 3e jour que je suis enfermée dans ma maison. Je peux même pas ouvrir la porte vu qu'on a mis un ruban sur la porte. Ce qui veut dire que si j'ouvre la porte, on saura que je suis sortie de ma maison en fait. Tout en sachant que je suis dans mon appartement. Mais moi actuellement, alhamdoulilah, ça va. J'ai des compatriotes africains, des gens d'autres pays et tout. Qui sont dans des situations pires en fait. Eux, on les a pris par force de leur maison, alors qu'ils sont dans leur appartement. On les a pris de force dans leur maison pour aller dans un hôtel où ils sont obligés de passer. Alors, je tiens à préciser que c'est pour 14 jours. La quarantaine se fait pendant 14 jours, alors qu'on a été testé négatif au COVID-19. Malgré ça, on nous enferme dans nos maisons. Alors, nos compatriotes africains, eux, ils vont passer ces 14 jours dans l'hôtel et ils doivent payer la nourriture
et les frais d'hôtel par eux-mêmes. Alors que ça fait déjà quoi? 3 mois qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entrée. Tout est fermé en Chine. Enfin, il n'y a rien à faire, quoi. Tout est fermé en Chine alors qu'on paye nos appartements. Et ils se disent que ces gens de personnes, ces personnes vont trouver l'argent où en fait. Ils vont trouver l'argent où. Il y en a, les bailleurs profitent de cette situation pour chasser les gens de leur maison sans raison valable, juste parce qu'on leur a dit que, en fait, les Africains ne sont plus bienvenus dans leur pays. Donc, du coup, même moi, précisément, je ne peux même pas aller en bas pour aller payer, pour faire les emplettes, en fait. Comment je fais, c'est que il faut scanner un code ou les appeler, leur dire ce que tu veux, les payer et ils amènent ça, ils mettent ça devant ta porte. Et tu attends, tu prends, après ils referment la porte et ils remettent le ruban sur le portail en fait. C'est juste inhumain, c'est juste inhumain. Vous pouvez pas comprendre ce qui se passe actuellement en Chine, c'est trop. Et à part ça, juste pour vous faire comprendre comment le racisme, le fait que c'est juste le racisme, c'est que il y a un autre compatriote africain, lui, il est avec une noire américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chez eux, on les a amenés au poste de police en leur disant que non, que ils devaient aller passer leur quarantaine de 14 jours à l'hôtel. Ils ont pris leur passeport et en prenant leur passeport, ils se sont rendus compte que l'autre noire américaine, la noire était américaine. Alors, ils étaient, je sais pas, ils étaient un peu choqués et ils l'ont redonné le passeport à la noire américaine. Et la noire américaine a dit que oui, voilà mon petit ami, je ne peux pas le laisser dehors et tout. Genre, on fait comment et tout. Et le policier lui dit carrément que, ah, qu'il n'y a pas de problème, qu'il peut juste faire 3 jours, enfin, cet Africain peut juste faire 3 jours de quarantaine et c'est bon. Après, il peut circuler librement. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que les étrangers. Si c'était au moins que c'était les étrangers qui étaient dans cette situation, là, on pouvait comprendre. Mais c'est juste les Africains qui le sont. Les Américains marchent, les Français marchent, les Italiens marchent. Tout le monde a la libre circulation, sauf nous, les Africains, en fait. Et ce Africain qui sortait avec la noire américaine a eu l'aisance d'esprit de demander à cet officier que, mais ce n'est pas 14 jours la quarantaine. L'officier a dit que non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voyons un peu cette discrimination envers les Africains. On n'a pas le droit de rentrer dans les hôtels, de rentrer dans les restaurants, de payer n'importe quoi. Même quand tu descends dans la rue, si la Chinoise voit qu'il y a un Africain en liberté, il a le droit de le dire aux policiers, en fait. Alors, comme je l'ai toujours dit, en fait, le problème, ce n'est pas la faute aux Blancs, ce n'est pas la faute aux Chinois ou à n'importe quelle race. En fait, c'est nous les Africains. Parce que durant cette situation, les Chinois nous font ça, les Chinois font ça aux Africains. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même s'ils le font, il n'y aura pas gain de cause. Ils ne peuvent pas faire ça aux Américains, ils ne peuvent pas faire ça aux Français, aux Européens, non. Ils le font juste aux Africains, parce qu'ils savent que les Africains, il n'y aura pas gain de cause en fait. Vous voyez un peu, j'avais posté des vidéos où on voyait les Nigériens qui étaient dehors parce qu'ils avaient fait leur quarantaine de 14 jours à l'hôtel et après on les a fait sortir comme ça et on leur disait que non, qu'ils ne pouvaient pas aller dans un hôtel en fait. Mais il n'y a que le consul du Nigeria qui s'est levé à parler à ces autorités chinoises. Et ce qui est un peu choquant aussi, c'est que ces autorités chinoises n'avaient rien à dire, ils n'avaient pas de preuves. Ils ne disaient pas pourquoi ces Nigériens étaient dans cette situation. Vous voyez, c'est seulement le consul du Nigeria qui fait ça. Alors, le consul du Togo est où en Chine? Le consul de... Enfin, l'ambassade du Congo, l'ambassade du Cameroun, enfin, tous ces pays, même les pays anglophones, ils sont où? Ils sont où? C'est pour ça que je dis que en fait le problème ce n'est même pas les Chinois, c'est nous les Africains, c'est nous les Africains en fait. Et aussi je vois dans les commentaires certaines personnes, parce que je tiens à préciser que cette situation est à Guangzhou, pas dans les autres villes, c'est seulement à Guangzhou en fait. Et vous voyez des commentaires de nous les Africains disant que non, que c'est parce que les Africains qui sont à Guangzhou sont un peu décalés, ou c'est parce que les Nigériens aussi ont une façon de réagir, parce qu'on n'est pas chez nous, on est dans un pays on est dans un pays étranger. Mais quand même, est-ce une raison valable? Comment un Africain
peut avoir ce genre de commentaires tout en sachant que les autres dorment dans la rue, qu'il y a une injustice. Même si un Nigérien a fait quelque chose, c'est pour ça qu'on va mettre peut-être toute la communauté nigérienne, même pas toute la communauté nigérienne, mais toute la communauté africaine. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, le problème, c'est nous les Africains, c'est nous les Africains. Allez partager au max parce que franchement, j'aimerais que les gens comprennent vraiment ce qui se passe parce que, en fait, nous qui sommes machines, nous savons ce qui se passe en fait.